Lorsque Jeanne Herche est décédée en juin 2000, la presse nationale et la presse internationale ont salué en elle une grande dame de la pensée. Née à Genève en 1910, dans un milieu d'intellectuels juifs laïcs, Jeanne Herche est la première femme à occuper la chaire de philosophie à l'Université de Genève. En 68, à la tête de la toute jeune section de philosophie de l'UNESCO, elle publie un livre qui a un retentissement immense, Le droit d'être un homme. Ce livre aujourd'hui est traduit dans la plupart des langues. Quelques semaines à peine avant sa mort, Jeanne Herche nous a accueillis chez elle pour philosopher en notre compagnie. Alors Jeanne Herche, aujourd'hui ce que je voudrais que nous abordions, c'est le rapport de la philosophie et de l'éducation. On a l'impression, quand on regarde l'histoire de la philosophie, que ça a toujours été une préoccupation majeure des philosophes, et ce dès l'Antiquité, de fonder des écoles et de former des gens à leur philosophie. Ainsi Platon, avec l'Académie au IVe siècle avant Jésus-Christ, suivi d'Aristote, l'école dite péripatéticienne, il ne faut pas s'y tromper, hein, c'est une école où on déambule, où on se promène, et puis beaucoup plus tard, au Moyen-Âge, Saint Thomas et ce qu'on appelle l'école, la scolastique. Bref, les philosophes ont toujours partie liée avec l'éducation parce qu'au fond, il faut former des gens, des citoyens, capables de ne pas se tromper et capables de pouvoir discerner le bien du faux. Est-ce que cette préoccupation a été pour vous centrale? Je crois qu'elle est centrale nécessairement quand on fait de la philosophie. Elle est nécessairement centrale parce que ce que l'on pense en philosophie dépend de ce que l'on est. Et par conséquent, ça dépend de ce que l'on devient au fil de l'éducation. L'éducation philosophique est un devenir. Et c'est même un devenir particulièrement rapide, je dirais. Quand on est saisi par la philosophie, on est bien saisi, on est bien attrapé, et on est dedans et on se met à travailler, et à écouter, et à lire, et à recevoir. Alors c'est très très important. Ce n'est pas une occupation gratuite. Contrairement à ce que certains croient, l'éducation philosophique n'est pas du tout une espèce de luxe social par lequel certaines personnes se distinguent de la masse. Du tout. C'est la condition qu'on a une fois aperçue, avant de savoir ce que c'est, pour devenir quelqu'un qui sait chercher le vrai. Alors vous-même, vous avez un parcours tout à fait particulier, puisque vous avez été et vous êtes un maître, mais vous avez eu préalablement un maître. Et j'aimerais dans un premier temps que nous l'évoquions. Il s'agit du philosophe allemand Karl Jaspers. Comment est-ce que vous l'avez rencontré? Oui, alors ça c'est un point capital de ma biographie, si on peut dire. Non pas de la sienne, mais de la mienne. Jaspers était déjà un professeur émérite quand je suis arrivée à Heidelberg, c'est-à-dire... Vous avez 19 ans, on est en... En 1929, j'avais 19 ans, j'étais étudiante pour la deuxième année à l'université, j'avais eu auparavant un cours d'histoire de la philosophie, et puis c'était tout ce que je savais. Et je ne savais encore vraiment pas, par expérience, ce que c'était que passer par une formation philosophique. Je ne savais pas ce que c'était. Je savais ce que c'était que suivre un cours de philosophie. Je savais ce que c'était que commencer à comprendre la pensée de quelqu'un d'autre que soi. Je commençais à comprendre aussi ce que c'est que être sévère pour ce quelque chose qu'on entend, au point de chercher si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Tout ça, oui. Mais la sorte de formation qu'on reçoit de la philosophie dans son être propre, c'est-à-dire dans son propre devenir, je ne le savais pas du tout. Alors comment est-ce que vous le rencontrez? Ah, eh bien d'abord je ne l'ai pas rencontré, ça a été tout à fait indirect. Je vais vous dire, à Heidelberg, quand j'y étais en tout cas, je ne sais pas si c'est encore organisé de cette façon-là,
il y avait le restaurant des étudiants qui s'appelait la Mensa. C'était un beau vieux bâtiment rouge foncé dans lequel les étudiants se rassemblaient pour prendre leur repas. Meilleur marché, bien meilleur marché que dans les restaurants. Et puis, il fallait faire la queue, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Alors, un jour, j'étais là, dans la queue des étudiants, et j'attendais patiemment d'arriver suffisamment en avant dans la salle pour pouvoir prendre une assiette, un couteau, une cuillère, et me mettre en quête de nourriture. Voilà d'où ça commence. Et puis là, j'avais à côté de moi une étudiante qui avait l'air toute gentille et elle me demande d'où je viens, où je vais, quelle langue je parle. Elle entend évidemment que je ne suis pas de langue allemande. Alors ça l'a intriguée. Et puis, elle se met à me parler de ses études à elle. Elle me dit, j'ai entrepris maintenant d'étudier la philosophie sous la conduite de Jaspers. Je dis, Jaspers, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, pas qui est-ce qu'est-ce que c'est? Non, parce que pour moi, c'était quelque chose, n'est-ce pas? C'était pas quelqu'un, je n'en avais aucune représentation. Et alors, elle me dit, vous savez, c'est bien. Allez-y une fois, ça vous intéressera. C'est tout. La conversation s'est arrêtée là, et je suis allée prendre mon déjeuner. Mais ça m'est resté dans la tête. Quand même, elle dit qu'il y a là un professeur, il se trouve qu'il est là, je ne l'ai pas cherché, ça m'inspire plutôt confiance. Si je l'avais cherché, je pourrais me tromper. Mais je ne l'ai pas cherché, donc c'est un hasard. Alors je crois que ça peut être précieux. Alors, je me suis renseignée pour savoir quand Jaspers avait ce qu'on appelait là-bas la Sprechstunde, c'est-à-dire l'heure de réception des étudiants. Et on m'a dit que l'heure de réception était cet après-midi-là. Alors, comme vous me connaissez, je suis plutôt du genre impatient. Je me suis dit, je vais aller à cette Sprechstunde, je vais lui dire ce qu'il en est, et il me dira s'il trouve que ça vaut la peine ou non, que je m'embarque dans la philosophie de Jaspers. Mais je ne savais rien à ce moment-là de Jaspers. Bon, je m'achemine à la Sprechstunde, j'entre, il y avait déjà pas mal d'étudiants qui étaient là, j'ai attendu mon tour. Quand mon tour est venu, il m'a fait entrer dans son cabinet de réception. Et là, il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je lui dis, monsieur, voilà, j'arrive de Genève. Je suis de langue française. Donc, je ne sais pas l'allemand. Vous lui dites tout ça en allemand, néanmoins. J'ai dit en allemand, bien sûr. Mais en allemand... Mon allemand. Je lui dis, je sais un petit peu d'allemand, mais pas un allemand philosophique. Vraiment, j'ai tout à apprendre. Je crois que je ne suis pas encore capable de suivre vos cours. Néanmoins, ça m'intéresserait d'essayer. Qu'est-ce que vous en pensez? Et que vous répond-il? Il me regarde d'un air légèrement apitoyé. Et il me dit, vous savez, je crois que c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, quand même. Première leçon de patience. Il faut rester quelque temps dans ce pays, apprendre la langue, essayer de lire un peu mes livres, essayer de m'écouter en comprenant quelque chose. Et puis, si ça va, vous reviendrez ici, et je vous admettrai au séminaire. Mais je crois que votre tentative est prématurée. D'ailleurs, depuis quand est-ce que vous avez entendu parler de moi? Je lui dis, aujourd'hui.
Alors il me dit, voyez-vous, il vaut mieux attendre. Docilement, je lui dis très bien, au revoir monsieur, et je m'achemine de mon pas le plus triste, j'imagine, vers la porte de sortie de ce cabinet de travail. Alors, quand il m'a vu marcher comme ça, au fond, c'est ma démarche qui l'a impressionné, je crois. Il m'a rappelé et il m'a dit, écoutez, si vraiment vous avez envie d'essayer, moi, je trouve que c'est prématuré, mais ça ne nuira à personne. Alors, si vous voulez, venez et on verra ce qui en résultera. Ah, j'ai pris une toute autre démarche et je suis sortie. Et ça a été le commencement de mon travail avec Jaspers. Alors Jaspers a une très belle formule. Il dit pour que la philosophie puisse continuer à vivre, elle a besoin du consentement de l'élève. Cela n'implique pas, ajoute-t-il, que l'élève doive penser la même chose que le maître, mais il faut qu'il commence par consentir au mode de pensée du maître. Au fond, c'est ça qu'il avait compris, c'est que vous consentiez. Il avait compris, oui. Vous avez tout à fait raison. Il a compris qu'il y avait chez moi une ouverture. Et puis il s'est dit, comme il n'était pas superstitieux, il s'est dit, qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je peux craindre là-dedans? Bon, alors il s'est dit, elle va venir probablement, elle verra si elle comprend, et puis on va voir. Et c'est ainsi que tout a débuté. Le consentement de l'élève par rapport au maître. Alors ça, je vais vous en parler. Le consentement du maître par rapport à l'élève, non. De l'élève par rapport au maître. Le consentement de l'élève par rapport au maître, vous savez ce que c'est? C'est un consentement d'écoute. C'est un consentement de laisser pénétrer en soi et d'essayer la pensée du maître. Je tiens beaucoup à cette expression « essayer la pensée du maître » parce que ça veut dire non pas qu'on la mette à l'épreuve, non pas qu'on la jugera mieux, mais qu'on lui fait rendre dans l'acte, en quelque sorte, l'efficacité qu'elle peut avoir sur un esprit. Est-ce qu'on veut lui donner cette efficacité ? Ou est-ce qu'on ne veut pas lui donner cette efficacité? Et si on veut la lui donner, pourquoi? Est-ce que c'est pour la vérité? Eh bien, d'une certaine manière, oui. Vous savez, il ne faut pas croire que quand on arrive chez un Jaspers, par exemple, on a tout à coup devant soi l'incarnation de la philosophie. On n'étudiera plus que Jaspers jusqu'à la fin de sa vie. Pas du tout, ce n'est pas ça. Mais on entend quelque chose qui sonne vrai en vous, qui est fécond en vous. Vous avez écrit à propos de Jaspers, il jetait de la lumière dans les profondeurs de ce qui, me semblait-il, aurait pu être pensé par moi sans lui. Alors, ça, c'est extrêmement important, à mon avis. C'est là qu'on se libère de toute espèce de catéchisme, de répétition. On ne répète pas ce que le maître a dit. Seulement, on laisse ce que le maître a dit avoir en vous toute son efficacité. C'est comme un lever de quelque chose qui germe du sol. N'est-ce pas? Quelque chose qui n'a jamais été là et qui commence à être là et qui sans cela n'aurait pas été. Alors, ce quelque chose de créateur, dans l'échange de la parole, je l'ai eu là, quand j'ai entendu les cours de Jaspers, à répétition, il y en avait presque tous les jours, et je m'en suis nourrie. Alors, venons-en à Jaspers un peu lui-même. C'est un personnage tout à fait extraordinaire. Il est quasiment donné pour mort à 20 ans, et puis il vit jusqu'à l'âge de 86 ans en s'imposant une discipline absolument rigoureuse. Je crois qu'il a même dit « il faut être malade
pour devenir vieux. Oui. C'est une célèbre formule. Il boit du lait toutes les heures et demie ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. De le voir vivre, c'était quelque chose d'extraordinaire. Jasper, c'était très grand, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'était un long, long, long corps. Et il devait beaucoup rester étendu. Alors, il pensait, réfléchissait, beaucoup, couché sur un divan. C'était sa pause de travail, pour ainsi dire. Il réfléchissait couché, avec parfois ce mouvement de la main qui est resté célèbre parmi ses étudiants, avec trois doigts étendus, les trois grands doigts, et puis les deux autres repliés. Et cette main de Jaspers, c'est une main pensante. C'est une main pensante. Et c'est vrai, ça se passait comme je vous le, décris. Il avait une très mauvaise santé. Il a eu toute sa vie une très mauvaise santé, ce qui ne l'a pas empêché de devenir très vieux, comme si la philosophie elle-même le maintenait en vie. Voyez-vous ? Et il y avait une source de vie et d'invention authentique dans la recherche de la vérité philosophique. C'est-à-dire, Jaspers savait qu'en philosophie, il ne trouvait pas quelque chose qu'il eut le droit d'imposer à ses élèves comme apodictiquement vrai. C'est une formation maïeutique. Ça, c'est la science. Ça, c'est la science. Et notez que Jaspers a commencé par faire des études de médecin. Oui, il est psychiatre au départ. Il est psychiatre au départ. Il est médecin et psychiatre, donc habitué à la science rigoureuse, etc. Ce qui d'ailleurs a été par la suite extrêmement fécond pour son œuvre, parce qu'il a écrit un ouvrage psychiatrique qui fait entrer dans la psychiatrie scientifique tout le côté philosophique sans lequel elle ne se serait jamais développée de cette manière. Alors, c'est une destinée tout à fait particulière. En 1921, il obtient la chaire de philosophie à Heidelberg et en 1937, il se voit retirer le droit d'enseigner parce que sa femme est juive et il ne récupère la chaire de philosophie qu'en 1945. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Mais ce n'est pas simplement parce que sa femme est juive. C'est parce qu'il n'a pas bougé d'un cheveu lorsque l'époque nationale-socialiste s'est répandue sur l'université allemande. Il est resté le même Jaspers, avec la même pensée, indépendante, avec le même jugement libéral. Ça n'y a rigoureusement rien fait. Il était plus qu'incorruptible, il était impénétrable à ce genre de choses. Sa philosophie reposait avant tout sur la notion d'existence. Qu'est-ce que c'était que l'existence chez lui ? Peut-être qu'on peut le dire maintenant. Entier. L'existence pour Jaspers, c'est la capacité de vivre authentiquement à partir de sa propre profondeur. Et la philosophie, elle a cette fin. Elle sert à cela. Lorsqu'on fait des études de philosophie, ce n'est pas pour connaître de nouvelles lois physiques, ce n'est pas pour être plus calé en chimie ou en biologie, bien que ce soit très bien. Il aimait beaucoup la science, Jaspers. Mais c'est avant tout pour comprendre ce que c'est que la vérité, où est la vérité, comment elle se révèle, de quelle manière elle s'impose, et surtout, 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 de quelle manière on lui reste fidèle, quoi qu'il se passe dans le monde historique qui vous entoure. Par conséquent, le point de résistance au nazisme était en quelque sorte, pour Jaspers, inscrit en tête de la philosophie comme telle. Alors pour vous,
c'est l'occasion de traduire une des toutes premières œuvres, j'entends une œuvre de traduction pour vous, c'est Die Schuldfrage, le problème de la culpabilité. Vous vous jetez en quelque sorte sur cet ouvrage pour le donner à lire en français. Cette fois, vous apprenez l'allemand et vous le savez plus exactement. Ah, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et à partir de là, d'ailleurs, j'ai traduit plusieurs ouvrages de Jaspers, très importants, je crois. Et j'ai eu toujours un grand bonheur à le faire. Parce que vous êtes, quand vous traduisez Jaspers, dans le cœur de sa pensée et dans le cœur de sa vérité. Si vous deviez ne garder qu'un souvenir ou qu'une image de Jaspers ou qu'une leçon de ce qu'il vous a enseigné, qu'est-ce que vous souhaiteriez transmettre? C'est difficile de dire. C'est difficile de répondre à cela. Parce que il faudrait éliminer un tas de choses. Je ne pourrais pas éliminer un tas de choses. Il faudrait retenir la sorte de présence que Jaspers avait. Sa notion philosophique centrale, c'est la philosophie de l'existence. Et le mot « existence », de par son étymologie déjà, révèle à quel point cela coule de source. Cela coule de source par la vérité, par la fidélité, par la cohésion. C'est cela même qui fait la philosophie. N'est-ce pas ? Il n'y a pas de philosophie à côté. Il n'y a pas de philosophie qu'on puisse compresser et dont on tire la vérité qu'on communiquerait aux étudiants. Il y a la philosophie de Jaspers, qui est une philosophie véritable, dans laquelle on apprend en même temps des choses vraies et en même temps ce que c'est que le vrai. C'est-à-dire ce qui en nous répond au vrai. Avoir un maître, alors c'est le début de la liberté d'une certaine façon. Voilà. C'est le début de la liberté. Parce que c'est non pas seulement devenir libre, mais c'est acquérir cette liberté comme un bien qui est l'objet même de cet enseignement. Je n'ai jamais eu l'impression d'une pareille coïncidence chez quelqu'un entre ce qui était enseigné et le dressage de cet enseignement, si je peux ainsi parler, que chez Jaspers. Vous deveniez plus vrai. Quand on demandait à votre maître, Karl Jaspers, « Que faites-vous maintenant ?» Il répondait « Je travaille. Autrement, je ne fais rien. » C'est tout à fait lui. Et c'est vous aussi ? Oh non, oh non. Il a beaucoup plus travaillé que moi. Beaucoup, beaucoup plus que travaillé. Il a écrit de gros livres, il a écrit... Il était psychiatre, qu'il était philosophe, qu'il était tout ça. Non, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Moi, je n'aurais jamais osé répondre « je travaille », autrement je ne fais rien. Jamais.